9 et 10. Ok, salut à tous et bienvenue sur notre chaîne SBRI Fight TV, la chaîne qui vous permet d'augmenter votre potentiel physique, technique et mental. Aujourd'hui, on est accompagné de Yanis qui combat donc dans une semaine plus ou moins au LFC. Donc, peut-être que quand vous verrez la vidéo, il aura déjà combattu. Donc aujourd'hui, on vous propose une séance pour travailler la puissance de frappe. Donc on a mis pas mal de, vous allez voir, tu peux filmer, un atelier, donc voilà, il y a pas mal d'exercices. Et on va faire ce qu'on appelle une préparation physique associée. Qu'est-ce que c'est une préparation physique associée, pardon? Et bien en fait, on va associer l'exercice donc de travail de préparation physique intégré à du spécifique. Donc on va faire un basculement pour travailler la force en fait. Donc force pure avec de la force spécifique qui va être travaillée au sac. Voilà, donc restez avec nous, c'est maintenant, c'est parti! Allez, allonger. 2. Sauti. 3. 4. 5. 6. Ok. Donc là, comme pour la vidéo, on ne va pas faire le tour en entier. Alors, dans les charges, vous allez prendre entre 50 et 70% de votre force max. Et en répétition, vous allez faire entre 6 et 10. Nous, pour la vidéo, on ne va pas faire tout en entier, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Il n'y aurait aucun intérêt. Donc voilà. Donc là, il fait 10 enchaînements à chaque fois. Il fera 10 enchaînements sur le sac. Et en répétition, bah, nous, on en fera 3, 4, 5, on verra. Mais vous devez en faire entre 6 et 10 en travaillant la force vitesse. La puissance de frappe, donc, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de force et de vitesse. Donc nous, c'est ce qu'on est en train de faire. On met des charges pas trop lourdes pour qu'il puisse travailler sa force. Et en même temps, on met de la vitesse, d'accord? Et nous, on le rebascule avec une force qu'on appelle la force fonctionnelle. C'est-à-dire, voilà, on frappe, ou là, c'est la force qui est spécifique. Donc, on mélange de la force pure avec de la force spécifique. Et avec ça, eh ben, on fait un transfert donc, des forces pour travailler la puissance de frappe. Donc, restez avec nous, on continue. Allez, on est parti, on enchaîne. Vamos! Allez, donc, biceps, un peu à la mexicaine, boxe anglaise, ils font ça. Allez, go, c'est parti. Allez, là. Donc là, quand c'est pas trop lourd, vous pouvez y aller. Allez, rapide, plus possible. Allez. Voilà, là, comme c'est pas très très lourd, le plus possible. Ok, et on enchaîne. Allez, go, on enchaîne. Alors là, vous l'aurez remarqué, on travaille aussi, on travaille les bras, un coup les bras, un coup les jambes. Comme ça, les bras, ils récupèrent. On travaille les jambes pendant que les bras récupèrent, après on va travailler les bras pendant que les jambes récupèrent. Et comme ça, on peut enchaîner la séance pour enchaîner les ateliers de manière optimale et efficace. Allez, c'est parti, let's go. Sprawl. Ice. Ok, on enchaîne. Voilà, je vous le dis, hein, vous faites des répétitions entre 6 et 10 par bras pour travailler votre force. Là, pour la vidéo, on fait plus court, plus sinon vous allez vous emmerder, ça va être trop long, trop chiant pour vous. L'objectif, c'est juste de montrer l'exercice et le mélange entre l'exercice musculaire et spécifique. Ok, droite approchée du gauche. Ice! Et on bouge, Ice! Ice! Ok, accélération 5 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, et 5, et on enchaîne. Ça, c'est pour la partie physique. Apprendre à finir toujours, continuer à terminer et à vider ses réserves. Donc, quand, fin de round, on continue à travailler pour s'habituer à accélérer. Allez, go, c'est parti. Donc, maintenant, travaillez les jambes. Fente, sauter. Avec les kettlebells pour ajouter du poids. Après, la puissance des jambes. Et on continue, et on enchaîne, allez, on déroule. Pieds jaunes. Et par-dessus. Et on passe les jambes. Là, vous avez vu, dès qu'on travaille les jambes, ça sollicite le cœur, parce que les jambes, c'est le plus gros muscle du corps, c'est les fessiers et les cuisses, les quadriceps, et ça demande beaucoup d'oxygène. Donc, dès qu'on travaille les jambes, on est vite fatigué.
Et on continue. On enchaîne. Kettlebell, travaille les épaules. Encore pour mettre droite. La fin du direct. On retraite le triceps, l'épaule et le pectoral. Allez, c'est bon. Ice! Tu t'accrasses 35 secondes pour cardio, cardiovasculaire, après on va finir dans le rouge, finir chaque gramme. Allez, accélère, accélère, allez, go, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, on continue, on enchaîne, avec les jambes, allez, go. Enchaîne avec le banc. Ok, c'est bon, on passe. Voilà, on vous dit, on vous montre pas tout, je ne suis pas entier. Enchaîne. Allez, go, sortez. Ok. Voilà. Ice. Low kick, high kick. Ice! Et juste un, et après un middle. Ice! Middle. Un middle, un seul middle. Low kick, high kick, tu souffles, après que middle. Ice! Voilà, low kick, high kick. Ice! Que middle. Ice! Low kick, high kick. Ice! Middle! Ice! Ok, on enchaîne. Donc là, ce qui va être important, c'est de bien verrouiller vos poignets quand vous faites ça. Voilà, ramène. Tu peux en tirer sur les trapèzes et il lève. Trapèze là-bas, et après tu ramènes. Ici, il verrouille bien ses poignets. Et là, il monte. Allez. On part à deux, c'est bon. Deux. Un, deux, un, deux. Voilà. Hop. Un, deux. On va encore une. Un, deux. Ok, hop, ça fait. Tu me regardes. Ice! Hop! Plus de besoin. Au-dessus, plus de besoin. Pour un sprint pour finir. Allez, go, c'est parti, magico. Allez. En faisant un seul, il y a mal à la cheville. Un seul. Ok. Et bien voilà, on a fini l'entraînement. Donc, bien évidemment, il n'a pas fait un entier, sinon la vidéo serait trop longue. Mais déjà, vous pouvez voir qu'il est déjà un petit peu essoufflé. Mais si vous faites ça, voilà, entre 6 et 10 à fond et vous carburez, voilà, c'est juste. Nous, on a une semaine du combat. Donc voilà, on ne va pas trop non plus charger, que ce soit trop difficile. Voilà, puis après, quand vous faites donc les 10 répétitions au sac, les 2 enchaînements, plus ici 10, 6 à 10 répétitions, et tout ça combiné, vous allez voir que quand vous avez fini la séance, c'est très bien. Alors il y a encore d'autres méthodes pour travailler la puissance. Hein. Il y a ce qu'on appelle la méthode du gard ou du lourd léger, il y a l'esté. Voilà, il y a plein d'autres méthodes qu'on montrera bien sûr dans d'autres vidéos, d'autres moyens pour développer votre puissance de frappe. Voilà. Et bien, à chaque fois que vous regardez des vidéos, je ne sais pas où les vidéos ne vous plaisent pas, où vous n'avez pas l'habitude, mais mettez un petit pouce bleu, que ce soit sur Facebook ou sur la chaîne donc YouTube. Pour ça, il suffit juste d'ouvrir un compte Google, c'est très rapide, 30 secondes. Abonnez-vous, voilà. Apportez-nous un petit peu un soutien et montrez que ce qu'on fait, ça vous plaît. Voilà, et puis maintenant, à vous de jouer!